Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Myriam, comment ça va aujourd'hui? Je pète ma bière, je pète ma forme. On est aussi avec Yassine. Oh, je suis là et je suis là en même temps, vous voyez deux fois. Moi aussi, regardez. Oh, t'es trop nul. En tout cas, la famille, aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça va être incroyable. Je vous propose un challenge. Vous allez manger noir vs rouge. Sauf que, il va falloir manger noir vs rouge, mais seulement dans les emballages. Vous êtes prêts? Go voir ce qu'on a pour le petit déj. J'espère un bon petit déj bien sucré, pas salé. Moi, ça va être tout ce qui concerne la couleur rouge des aliments, les emballages, la couleur noire. Mais vous avez rien compris? Pourquoi elle a bien en rouge et toi t'es en noir alors que vous avez les couleurs inverses? En plus, il y a que Younes pour mettre un manteau le matin. Mais les gars, vous savez que si vous voyez la tête de Younes le matin, c'est un film d'horreur. Ah, j'avoue, vous allez direct quitter la vidéo. Vous commencez vous deux? Bref. Ouh! On a les meilleurs Kellogg's du monde! Les Kellogg's trésors! On a aussi. Ah, il y a des magnets! Les Chocapic! Je crois pas, ils sont classés bof, c'est bof, tu vois, c'est bof. Attends, viens, on rigole. Attends, viens, on rigole, c'est classé quoi? C'est classé. Moi, c'est classé des durs! J'y arrive! Ouah, il y a des BN, les gâteaux mythiques! Ah, fais voir, c'est classé quoi, tu veux? C'est même pas classé, allez, ça existe pas, c'est-à-dire à la poubelle! C'est à la poubelle, ça existe pas, on va les mettre à la poubelle! On va les mettre à la poubelle! Mais Younes, sors de cette cuisine, t'es puni. Oh là. Dans deux minutes, tu fais plus rien, tu la laisses faire ses trucs, après tu rentreras après. Ouais, j'ai des Kinder. Il y a du noir. Oh, j'avoue, il y a du rouge et du noir. En vrai, la règle quand est-ce que c'est comme ça, c'est premier arrivé, premier servi. Vas-y, je rentre dans la cuisine, du coup, elle va tout me prendre mes trucs. Quand moi je vois, il y a des. Il y a du noir. Tu peux prendre. Du coup, ça par contre, c'est full rouge. C'est sûr, ma maman et tous vos mamans, ils ont des biscottes à la maison. Je sais pas pourquoi ils ont tout le temps ça. Il y a du noir. C'est Younes qui l'a vu en premier, Myriam, c'est lui qui la prend. Parce qu'avec ça, on peut se faire un bon petit déjeuner quand même, ça. Surtout lui. Montre Myriam bien ce que t'as, toi. Ok. Ouais, dites-nous dans les commentaires, vous préférez qui pour l'instant. Et c'est parti pour la dégustation. En avant pour le petit déjeuner, les amis, on va commencer bien cette journée de 24 heures challenge. Eh les gars, est-ce que vous êtes team ne pas manger le matin ou est-ce que vous êtes team manger le matin? Ne pas manger le matin, bien sûr. Bah oui. Le ramadan, arrêtez avec ça, les merci, gars. Serre-moi la main. Myriam, okay. Tu as commencé par quoi? Moi, j'ai commencé par les délices. Les Kinder délices. Non, en vrai, je laisse ça pour après. Tu vas vraiment manger des Pimps? Ouais. Mais les gars, c'est la base, les Pimps. Mais qui mange des médicaments? Mais arrêtez un peu, les gars. T'aimes pas les Pimps? Ah, vous avez vu directement, je lui ai mis mon pull. Hein. Oh là 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 là, Myriam, tu peux déguster ton petit Pimps. Dis même pas, c'est incroyable. Hein. Par contre, c'est dit que c'est incroyable. Dis la vérité, là, on va dire ce qu'il y a. Dis la vérité. Dis pas, c'est incroyable. Dis la vérité. Méga bon. Voilà. Voilà, elle a dit méga bon. Incroyable. Non. Eh, les gars, dites-moi, vous allez partir où en vacances, vous? Moi, j'aimerais trop partir en Algérie. On devait partir maintenant. Mais il y a une mauvaise nouvelle, il fait encore froid. Enfin, il fait pas froid, mais on peut pas se baigner en mode. Ouais. On va aller en Algérie que pour manger. Toi, tu penses qu'à manger? Oh, c'est les méga paquets, les gars! Et ça, je vais le manger en petit déj. Format familial, quoi? Format familial, mon gars. Ouais, les BN, en vrai, ça me donne pas trop envie. Attends, il y a l'équipe de France, les gars, parce qu'il y aura l'euro, regarde. Ouais, l'euro million. C'est bientôt l'euro, hein. C'est bientôt l'euro. L'équipe de France, ils vont faire le premier tour. Écoutez bien ce que je vous dis. Oh! Moi, j'espère que c'est le portugais. Vous avez entendu l'équipe de France? Je vais l'aider parce qu'elle va faire des dingueries. Stop. Ah non, mais j'ai oublié de mettre le lait avant les céréales. Toi, tu veux des embrouilles, hein. C'est d'abord les céréales, après le lait. Lui, à chaque fois que je veux me faire un petit déjeuner, à chaque fois il arrive, il dit stop. Mais c'est normal après. La police. En fait, Myriam, elle a les yeux plus gros que le ventre, elle en met grave et après elle mange pas tout. Maman ASMR. Arrête. Je suis quelqu'un de très gentil dans la vie, mais tu me fais ça à côté de mon oreille. Si je te mets une patate, toi c'est de ma faute. Arrête, Myriam, tu vas l'énerver. Vas-y, laisse-moi prendre mon petit déjeuner, arrête, laisse-moi. C'est bon pour le petit déj, hein. Mais j'ai même pas mangé, on fait que de parler depuis tout à l'heure, frère. Quand t'as combien, tu manges pas de petit déj? Quand t'as 3. 1, 2, 3. Younes, tu prends pas de petit déj, je dois attendre le repas du midi, mec. Mais tu vas où? Pour le repas du midi, Younes et Myriam, ils vont devoir aller au magasin pour choisir leurs produits. Ils ont un budget illimité, donc ils vont pouvoir prendre ce qu'ils veulent. Et franchement, en noir et en rouge, il y a beaucoup de choix, donc je sais pas ce qu'ils vont prendre, mais bon courage à eux. Pour le repas du midi, vu que moi j'ai la tête à l'envers, on va commencer par le dessert. Mais comment ça tu commences par le dessert? Tu commences à faire n'importe quoi, j'aime pas ça. Regarde, ici, il y a des Nutella comme ça. Ok, il y a des donuts, les gars. Ouais, des mini donuts, toutes les couleurs, mais tu dois prendre noir. Hein. Bon, ça, les gars, c'est pas noir. Ah, si j'avoue, il y a du noir. Hein. Même le pain en dessous, il est noir. Fais voir, regardez. C'est bien noir. On continue avec le dessert, mais vous inquiétez pas, je vais prendre aussi du salé. Mais les gars, mais elle est en train de faire n'importe quoi dans le 24 heures. Wesh, son corps, ça va être du sucre. C'est quoi ça? Cœur de chocolat. Ok, bon, enfin, ça c'est full noir, donc j'avoue, t'as raison. Les gars, Myriam, elle fait n'importe quoi. Moi, je vais prendre des frites. Et pas n'importe lesquelles. Oh non, pas des allumettes. Les Belges, ils ont une chose qu'ils savent bien faire au elles monde. Sont grosses. C'est les frites. Les gars, on est au rayon chinois, mais ça m'a donné trop envie, les gars, je vais prendre des bites. Soba chili. Mais ça, c'est un peu rouge quand même. T'es sûr que tu veux prendre les piquants? Pourquoi tu prends pas un autre goût du genre teriyaki ou yakitori? Non, c'est vraiment chinois, yakitori, c'est des techniques de karaté. Quand même, pense à la boisson parce qu'à chaque fois, j'oublie les boissons. Incroyable. À la fraise. Incroyable ça. Mais s'il y a du sucre, ça sert à rien, tu vas avoir le diabète. J'ai dit, prenez toujours zéro sucre. Regarde, vous prenez toujours ces boissons-là, zéro sucre si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps. Ça, je t'annonce, c'est pas noir, c'est rouge. Donc tu dois prendre forcément le noir. Préfère un pique-nique ou. Tu sais, ça me fait penser à quoi ça? Quoi? Quand vous allez en sortir, à chaque fois, tu me demandes de prendre un pique-nique. Ah ouais. Eh, par contre, regarde, ici, c'est
c'est gonflé, mais il y a que ça dessus. Vu que dans le thème chinois, on va partir sur deux boîtes de sushis. Comment tu vas manger tout ça, wesh? Connais Myriam. Prends des baguettes, prends des baguettes et des sauces soja. La dernière fois, elle a pas pris de baguettes, c'est la psychiatrie. Une dinguerie, tout est fait maison. Et franchement, ils sont super forts. Vous êtes super forts. Incroyable. Amis, en exclusivité, j'ai trop de la chance. On va tester la boulangerie d'Auchan. Il y a tapas, la boulangerie de Lidl. En plus, c'est rouge, regardez. Végétarienne. Et on va tester la olive. Je suis pas très très chaud. Ouais, si, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Agendas, ils ont fait des sortes de glaces. Et là, il y a des mini gâteaux. Mon cerveau, il me dit de prendre les deux. Mais ma tête, elle me dit non, Younes. Ok, c'est bon ça. Eh les gars, c'est bien cher la vie. Il faut qu'on travaille bien à l'école. On a payé 120 balles, les gars. C'est surtout ces sushis là. Les sushis, ils coûtent grave cher. Le ticket de caisse, il est plus long que mon avenir. Tout va s'affronter pour le repas du midi. Moi, avec Younes, c'est vous. Vous allez voter en commentaire. Mais Younes, c'est bien que je vais te manger comme les rats. Mais jamais de la vie, tu vas me manger, les gars. Rien que regarder son repas, regarder mon repas et voter en commentaire. On commence par des soba, donc qui sont ici, avec la sauce. Des donuts Oreo. Est-ce que. Je sais pas si c'est fourré dedans, mais je pense pas. Si... T'imagines, il y a de la crème Oreo dedans. Fondant, comme ça. Les gus. Et elle m'a ruiné en sushi, les gars. Elle m'a ruiné. Les chips, comme ça, barbecue. Après, on a du peps. C'est vrai que la Chine, les gars, je crois que c'est le meilleur pays parce que les sushis, ça vient de la Chine. Mais tu sais qu'on va en Chine, on peut manger que des sushis. Il n'y a rien qui est halal. Mais Myriam, écoute. Écoute-moi ce que je te dis, il n'y a rien qui est halal. C'est bien noir, hein. Mais gros, moi, il me faut de la viande, moi, il me faut de la bonne viande. Ça, les gars, je crois que je commence à préférer ça que les kebabs et les tacos. Hein. Wesh. Wesh. Attends, mais. De l'eau. Mais pourtant, c'est pas. C'est chili. Mais chili, normalement, ça pique pas chili. Les gars, si vous avez jamais mangé ça, mangez pas. De l'eau, de l'eau. Les gars, on va se rafraîchir la bouche avec des deux. Oh là là, j'espère que c'est fourré pour toi, sinon. C'est la haisse, j'ai pas de papier. Wesh, elle s'essuie. s'essuyait sur son pantalon tellement elle voulait pas se lever. Okay. C'est une dinguerie. On va voir si à l'intérieur c'est fourré. Wouah, c'est fourré. Oh la chance! Mais du dentifrice! Regardez ça, les gars, c'est bien fourré à la crème Oreo. Younes, attends, faut que je retape un trou. Ils sont vraiment, c'est incroyable. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans les vidéos, les gars. On vous fait découvrir des produits inédits. Toi, t'existes plus maintenant. Ah ouais, à ce point-là. Parce que la crème Oreo, elle vient faire la différence. Ouais, ça, là-bas, c'est sec, ça. Tu sais que c'est sec. Et bah, ça fait glisser l'Oreo. Je vais pas faire une erreur de débutante. Un seul croc par les mains, sinon je vais pas tout manger. Ok, on voit qu'elle a pris de l'expérience, la petite Myriam. Mais par contre, il y a de la viande. Non, c'est pas de la viande. Ceux-là qui voient barbecue, c'est pas du vrai barbecue. Si vous voyez de la viande, mais c'est pas du vrai barbecue, c'est des arômes. Et les arômes, c'est pas du porc. C'est... Les poulets, si vous les voyez, dites-vous pas, c'est des arômes, c'est vraiment du porc. Poulet, c'est du porc maintenant. Bah oui. Ah, ok, un poulet, c'est un porc. Eh, mais attends, peut-être que c'est pas du poulet, que c'est du poulet halal. C'est pas halal, les vico. Là, on va goûter le fondant, ça, c'est les meilleurs fondants, les cul. Peut-être vous dites, ouais, peut-être c'est diète, mais c'est pas du tout diète. Qui a dit que c'était diète, frère, c'est du chocolat. Laisse-moi tranquille. Oh lolololol. Elle croit aller au paradis, frère, que ça soit, elle mange. Tu sais, si je vais au paradis un jour, Allah, il nous accorde le paradis, dites, hey, mine, je vais faire que de m'asseoir dans une table comme ça et de faire que de manger tous les plats disponibles. Tu viendras avec moi. Ok, bah, Inch'Allah, on sera au point. On se prendra une table chacun. Quand elle nous accorde le paradis, on va tout déguster. Ça, c'est toi, ça sera ta table, moi, ça sera ma table. On mangera en illimité pendant 100 ans. Que c'est parce que c'est, on est immortel au paradis. Les gars, c'est tellement incroyable parce que c'est fondant. Le chocolat, il est doux, il est pas. Place aux soucis. Comment ça coûte cher, ça, ça me rend ouf. Par contre, comment je fais pour la sauce wasabi? Wasabi, qu'est-ce que je raconte, moi, encore? Il y a un ciseau. Sans sauce soja, les amis, c'est pas des vrais sushis. C'est bon aussi. Mais d'où t'es venu cet amour des sushis? Toi qui aimes pas le poisson. En fait, tu nous fais une comme Yacine. J'aime pas la viande, mais je vais au grec. Quand elle était petit. Un jour, regardez, un jour, Younes, il mangeait des sushis. Et moi, genre, je savais pas c'était quoi. Du coup, genre, je lui ai dit, Younes, est-ce que tu peux m'acheter des sushis le lundi après l'école? Et bah, du coup, après, il m'a acheté des sushis. J'ai goûté, c'était un banger. Et après, au fil du temps, j'ai commencé à manger des sushis. Bon, maintenant, je sais pas comment on fait. Oh là là, ouh loulou, ce qu'elle fait. Là, là, pour le prochain, je vous jure que je l'ai fait. Bismillah. Ouais, le seul inconvénient des sushis, c'est que c'est un apéro, ça cale pas. Oh, c'est un apéro tout ça là? Bah oui. Wesh, mais toi, t'es folle. Ok, bon, là, je crois que j'ai la vraie technique. Oh, attendez, attendez. Oh, si elle y arrive, ça mérite un pouce bleu, les mecs. Oh, elle a réussi! Les gars, ça mérite un gros pouce bleu à la vidéo. Moi, je continue de manger, et lui, tu vas partir sur repas. Après la Chine, on passe en Italie, les amis. Les Italiens, c'est des big boss au niveau des pizzas. N'importe donc, quoi, les frites, c'est pas italien. 2,50€ la pizza, 2,50€. Elles sont minuscules, elles sont toutes petites, regardez. Par rapport elle est magnifique. À maman, elle est magnifique, mais elle est vraiment pas grande. Donc, je sais pas si elles sont à la hauteur des pizzas de Lidl. Les pizzas de Lidl, c'est une dinguerie. Hein. Les pizzas de Lidl, elles sont grave grandes. On va goûter quand même. Là. Et en vrai, les gars, le vrai débat, si vous préférez aller en Italie ou en Chine? Pas très bonne, Myriam. Ouais. Pour 2,50€, la pizza est bonne. On sent qu'ils ont mis des bons ingrédients. Je me suis dit, pour 2€, ils vont mettre du thon bizarre. Franchement, c'est très très bon. La sauce tomate, elle est bonne. Le fromage, il est bon. Rien à dire. On va voir la végétarienne pour ceux qui mangent. Attends, pas genre bien. En mode, genre si toi, tu étais après le travail et t'as faim. Je prends. C'est une margarita. Ils auront dû appeler ça margarita, en fait.
En fait, parce qu'il y a des légumes et ouais, tout. Ouais, il y a trois légumes qui se battent en duel. Mais c'est pas l'aile, du coup. Mmh, wow, je suis choqué. Vous voyez les légumes? Ouais. Ils ont un bon goût, genre, c'est pas en mode brocoli, c'est des vrais bons légumes en mode, tu vois, dans le sucré un petit peu. Voilà. Franchement, pour 5 euros, vous avez ces deux pizzas-là, vous allez pas être calé, je vous dis la vérité, mais au moins, ça va être bon. Ouh. Ah là là, la nouveauté des ananas. C'est pourquoi ça s'appelle une bouchée, parce que tu le manges en une bouchée. C'est l'ouverture d'un coffre au trésor. Ah ouais, mais moi, ouais, attends, montre bien. Que tu te rappelles qu'on a goûté les M&M's comme ça? Ah. C'était pas bon. C'est une bouchée, ouais, j'avoue, c'est une bouchée, frère. On va essayer de croquer au milieu. Ça, c'est vraiment le diable en personne, ne l'achetez pas. C'est pas que c'est pas bon, c'est 10 sur 10, mais vous allez jamais vous arrêter à une bouchée. C'est impossible. Tu vas taper le paquet tout entier. Le lendemain, tu vas te lever, tu vas des bouées de sauvetage sur le côté. Oh là là, Aganda, c'est des big boss. Ça n'a rien à voir avec M&M. Là, j'en mange que un. Wallah, wallah, j'en mange que un. Mais à ce point, à ce point. Attends, je vais regarder, il y a combien de sucre dans un seul. Dans deux, si t'en manges deux, il y a 8 grammes de sucre. Oh, ça va. Mais ça va, les gars. Moi, votez pour qui dans les commentaires. Je vais mettre votre Younes, votre Myriam. Pas votre Myriam. Non, les gars, juste pour ça, je l'ai Myriam. Je te lance un défi foot, vu que t'as grave progressé, t'es même pas capable de contrôler la balle et qu'elle sort pas de l'arc de cercle. Bah, je suis capable. Vas-y, on va voir les. Ouais, c'est devenu facile ça. Vous vous amusez bien vous. J'ai un défi à vous proposer pour le repas du soir. C'est moi qui vais payer mon fast-food. Sauf qui paye son fast-food. Sauf qu'il y en a un qui va manger et un qui va pas manger. Je vais vous lancer un défi. Le premier qui perd, il ne mangera pas. C'est moi, je vais le manger. C'est moi, je vais le manger. Le défi va être simple. Vous allez devoir me citer un aliment, soit noir, soit rouge, chacun à votre tour. Le premier qui a plus d'aliments à citer, il a perdu. Tomate. Sauce tomate. Fraise. Framboise. Myrtille. Carotte. Sauce ketchup. Réglisse. Harissa. Tagada. Le charbon. Ketchup. Mister Freeze rouge. Non, Mister Freeze framboise. Ah, je sais. Le Coca-Cola. Glace Oasis. Le Pepsi. Le. Le barbecue. Ah. Le Miranda. Ketchup. Oh, 3, 2. Pastèque. Ok, ça passe. Maouam. Non, carambar rouge. Carambar à la fraise. 3, 2, 1. C'est fini. C'est ma carambar. Gagné, je t'invite dans n'importe quel fast-food de ton choix. Et Younes, malheureusement, va devoir te regarder, il pourra pas manger. Je peux choisir tout de suite? Non, attends, vraiment, si tu veux, je peux mettre un cornet rentrant du pied gauche, tout ce que tu veux, s'il te plaît. Vas-y, si tu mets un cornet rentré du pied gauche, t'auras quand même pas. Aïe. S'il te plaît, je vais pas rien manger ce soir. Sois généreux, Harry. Paye-moi un fast-food, moi aussi. Mais ça sert à rien de mettre ta gel là-bas, Younes. T'as perdu, c'est pas ça qui va me corrompre. Faut être généreux dans les flammes, on a fait du foot, on est fatigué. Oui, mais faut être aussi juste. On a fait un jeu, t'as perdu, c'est comme ça. Pas bien manger, y'a pas d'air aujourd'hui. Vas-y, mon ref, à tout à l'heure. Myriam, vraiment, vous m'abandonnez. Vous allez manger au fast-food. Ah oui. Mais j'arrive, hein. Vas-y, va, j'arrive. Bye. Tu vas aller avec tes crampons. Va manger du mafé. A few moments later. Hein, vous êtes vraiment sérieux? Laisse-la, elle fait ce qu'elle veut, toi. Regardez, les gars, elle a pris des crampons pour commander. C'est la base. Qui n'a jamais été à l'école en crampons? Les gars, elle a de nouveaux burgers. Par contre, pourquoi elle a des graines de sésame? Allez, laisse, on t'a trouvé, t'es là. Ouais, ça doit être ça, ouais. Un menu enfant, ouais, prends un menu enfant qui va pas te caler. Ouais, vas-y. Donc là, Yacine, elle va prendre que pour elle. Là, en fait, je t'explique. Prendre un sandwich pour elle. Et un sandwich pour personne, pas toi. Ah, des haricots, des légumes, brochettes de poulet, des légumes. Que vous me demandez ce que je veux. Moi, c'est ça que je veux. Aujourd'hui, je me sens italien, tu vois, comme ce midi. Je prendrais des penne à la bolognaise. On t'a jamais demandé. Non, mais c'est pas la peine de mettre dans la boutique, hein. On va pas acheter ça pour toi. Myriam, s'il te plaît, tu me payes un gâteau. Mais regardez le bonheur. Il y a marqué pigeon ici. Le meilleur gâteau, je pense, c'est celui-là. Le meilleur gâteau, c'est quoi? Oh, ouais. Oh, là. Je peux vraiment pas. Non, toi, c'est mort, toi, c'est KO. Oh là 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 là. Elle a une assiette. Là, on dirait pas t'es à la cantine. Ce qui me donne le plus envie dans tout ça, c'est quoi? Ce qui me donne le plus envie, c'est la poutine. Mais... Ah non, le gâteau, j'ai pas mis le gâteau. Elle vient avec ses crampons. Et par contre, elle a fait une yassine. Elle a fait quoi? T'as vu quand le monsieur il a dit est-ce que vous voulez de la sauce? Elle avait tellement honte, elle a dit non, alors je suis sûr que vous voulez de la sauce. Je vous présente le plateau. Ici, on a un magnifique gâteau Snickers. Wow. Ah, mais question. Pourquoi elle a pris des frites alors qu'elle a déjà des frites? Elle est grave bizarre, je sais pas, elle est bizarre cette gosse. Là, ici, on a une poutine. Oh là là, ça paye de gagner un défi. Hein. Ils t'ont même mis un capricen. Mais on en parle que pour une enfant de son âge, le plateau, il est extrêmement balèze. Enfin, un mec dans notre école, il s'appelait Mohamed, tu crois, il était tellement content d'avoir des nouvelles crampons, il les a mis à l'école. Oh, et dès qu'on marchait dans le couloir, on entendait. Tout le monde s'est moqué de lui, non? Tout le monde s'est moqué de lui. Les frites, elles sont carrées ici. Parce que maintenant, on va goûter la bête. Oh. La bête. Oh. On l'appelle le Snickers. Ils t'ont mis de la crème aussi. Hein. En plus, c'est noir. Elle a bien fait son truc, hein, parce que ouais. C'est la couleur noire. J'aime bien la poutine, c'est ça, regardez. Le fromage. Non, tout la poutine, j'aime bien. Les frites, le fromage. Même le carton, regardez. Une poutine parfaite, je pense que ce serait des frites,
du fromage, des œufs. Pas des œufs, non, des œufs ça rend pas bien, c'est des lardons, c'est mieux. Des œufs. Non, pas des œufs. Des œufs, on va se battre. Toi t'as pas pu goûter les dernières nouveautés puisque ça fait longtemps que tu manges plus de fast-food, genre poutine, t'as pas pu goûter, pas pu goûter les pizzas tacos. Non. Un truc de malade. J'ai rien goûté moi. Il a goûté que les trucs dans son genre kebab, pizza, tacos, t'as goûté tacos? Ouais. Au tacos, t'as goûté? Moi j'ai jamais aimé au tacos parce que la viande j'aime pas. Il y a des visiteurs. Et ils ont trouvé la bonne planque. Ils viennent à French Cantine. Incroyable. Non, je veux pas que tu caresses, il te mord. Après, tu fais comment? Il y a son pote. Oh, regardez, il y a son pote. Je suis fier de moi. J'ai pas mangé une miette et j'ai pas eu envie de manger. Je progresse. Dans ma vie de gros, je progresse. Et les deux lascars là. Ils vont chercher un nouveau plan. Après avoir bien rentable le fast-food, ils rentrent chez eux. Mais t'es marre. Oui, vu qu'il a pas voulu, et ben moi je me casse. Moi j'attends pas Yacine. Yacine il est parti là-bas, moi je me casse. Cours. Allez hop, je me barre. Moi je l'attends pas, il avait qu'à me payer un sandwich. Il arrive. Il est où? Non, je vais t'écraser. Je vais t'écraser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais bouge. Vas-y, t'inquiète, monte. Pourquoi il veut pas bouger? C'est en fait une marche arrière. Je vais faire comme dans les films, les gars. Marche arrière. Allez, casse-toi. Mais c'est sortir Myriam. C'est non, j'ai une idée. Tourne par là qu'on tourne et après. On est dans un film. Vas-y, j'ai pas le choix, les gars. Je peux pas l'écraser. C'est bon. Wallah, je fais rien. Wallah. Sors de là. C'est bon, sors Myriam. Moi, je te paye à manger. C'est comme ça que je vous remercie. Et tu veux m'influencer? Accélère. Est-ce que tu veux jouer à ça? J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Non, et moi, j'ai pas mangé. Ciao! J'ai pas mangé! Non, par contre, non, j'ai pas mangé mon repas du soir, Yacine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Myriam, non! Ciao!